Donc, si on coupe le serment dans l'autre sens, je voudrais vous montrer ici que dans la partie verte, là, qui est la partie où on voit tous ces tubes, là, c'est là où monte la sève brute. L'eau et les sels minéraux montent dans cette partie. Hein. La moelle à l'intérieur, là, est absolument inerte. Hein. Elle a sans doute un rôle lié aux réserves, mais elle est plutôt quand même inerte. Donc la sève élaborée, la sève brute monte dans cette partie-là, donc la partie verte, et redescend dans la partie jaune ici, qu'on appelle le libère. Cette partie jaune est fabriquée, elle, par le cambium. Le cambium, lui, c'est la partie vivante en fait. S'il y a quelque chose qu'on pourrait caractériser de vivant dans la plante, c'est le cambium. Toute la partie interne, comme ça, on ne peut pas la caractériser directement de vivante. Elle a été vivante, ce sont des vaisseaux qui sont conducteurs de sève, mais ils n'ont pas de capacité de se régénérer, en quelque part. Donc en fait, ils sont complètement juste conducteurs et pas spécialement directement vivants. Donc cette partie-là, cambium, fabrique côté intérieur du bois et côté extérieur du libère. Ce libère conduit la sève élaborée descendante. Donc on a deux flux de sève, un flux qui monte et un flux qui descend par consommation du cambium. Ces vaisseaux du libère, tous les ans, arrivés l'hiver, meurent et se retrouvent éjectés sur l'extérieur et se transforment en écorce, en liège, ce qu'on appelle, vous voyez, les écorces qui se desquament tous les ans là sur la vigne, c'est des anciens vaisseaux du libère. On pourrait, si vous voulez, c'est quand même chouette à voir, le regarder ici. J'ai pris ce cépage-là en Charente, là, parce qu'en fait, on voit vraiment, vraiment bien sur l'uni blanc là, on voit vraiment vraiment bien les trous quoi, les vaisseaux. L'uni blanc, il y a la patate comme tu dis, issu de pieds qui ont fait 150 hectos l'année dernière. Et on va se le faire circuler, c'est super joli, c'est super joli. Faites-le vous circuler. Vous verrez aussi, quand vous regarderez dedans, vous verrez les trous des vaisseaux et vous verrez des rayons aussi. Hein ? Ces rayons-là s'appellent rayons médulaires. Ils sont médulaires parce qu'ils sont connectés à la moelle. Et ces rayons, ils ont un rôle super important. On en reparlera après, mais c'est le siège de stockage des réserves. C'est là où la plante va stocker son énergie tous les ans, l'hiver, pour pouvoir redémarrer au printemps, ces rayons médulaires. Ils ont la capacité aussi à briquer, non ? Oui, on va voir ça. C'est aussi une paroi physico-chimique. On va voir. Ils ont plusieurs rôles, hein. Ils ont un rôle aussi de structuration mécanique, hein. C'est-à-dire que si on avait des vaisseaux comme ça sans avoir des rayons, on n'aurait pas la capacité de la plante à accepter la flexibilité. Les vaisseaux se sépareraient les uns des autres et ce serait irrémédiable. Donc en fait, ces rayons-là ont aussi un rôle mécanique important. Je voudrais caractériser les plantes spécialement. Toutes les plantes ligneuses fonctionnent sur ce schéma-là. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. C'est-à-dire que une plante, on pourrait la dessiner de cette manière-là. On a une pousse. Sur cette pousse, par exemple, là, sur la vigne, on a des bourgeons opposés. On va avoir une pousse l'année suivante qu'on va pouvoir dessiner de cette manière-là. Une pousse en longueur et puis une pousse en épaisseur. Donc, une pousse en longueur qui correspond à chaque bourgeon et une pousse en épaisseur qui correspond à une couche supérieure. Tous les ans, on va avoir une nouvelle plante qui pousse par-dessus la plante de l'année précédente. Et ça, de manière indéfinie, ça continue tout le temps à pousser de cette manière-là. Un platane qui fait 50 mètres, tous les ans, il y a un nouveau platane intégralement par-dessus le platane de l'année dernière. Sur votre sémillon, tous les ans, vous avez un nouveau sémillon qui pousse intégralement par-dessus votre sémillon de l'année dernière. Ça, c'est hyper important de comprendre ça. Et c'est un fonctionnement inéluctable des plantes ligneuses. Elles sont obligées de fabriquer des nouveaux vaisseaux tous les ans. Elles sont obligées de fabriquer une nouvelle couche tous les ans. Donc là, si on regarde celui-là, en fait, le vaisseau de 1 an, la pousse de 1 an, le sarment de 1 an, il est fixé sur le sarment de 2 ans,
qui lui est fixé sur 123 ans, qui est fixé. Donc ça, ça paraît simple. Mais en fait, dans le sarment de 5 ans, dans la pousse de 5 ans, on a la pousse de 3, la pousse de 2, la pousse de 1. En fait, à chaque fois, il faudrait dessiner ça en se disant que si on fait comme ça, la dernière pousse, elle est connectée directement aux 3 pouces. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va rajouter une couche et la dernière pousse, la pousse de l'année, elle est connectée à des vaisseaux qui sont à l'extérieur de la plante systématiquement. Peut-être que ce schéma-là l'exprime aussi de manière un peu plus cohérente. Hein. Un an, tout ça, ça a un an, c'est sur l'extérieur, ça a un an. Le 2 ans est à l'intérieur, a pris naissance sur le bois de 3 ans, mais est connecté au bois de 2 ans. Donc c'est un empilement de couches. Hyper important à comprendre, parce qu'à chaque fois qu'on va intervenir et qu'on va couper la plante, on va rentrer dans ces couches-là. Cette diapo-là, c'est pour moi une des clés de la viticulture. C'est-à-dire qu'elle permet de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre plante quand on taille et pourquoi la plante réagit de cette manière-là le printemps suivant. Je redessine parce que je pense que c'est plus dynamique une fois dessiné. Donc on a notre plante, le système racinaire et la partie aérienne. On a notre baguette de l'année dernière, ok, éventuellement un courson et un autre courson de ce côté-là, ok. À la fin de l'année, on a un équilibre entre les branches, entre les sarments et le système racinaire. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un phénomène qui provoquait l'acrotonie, et donc ce phénomène-là qui est lié aux apex. L'apex, c'est les bourgeons les plus hauts, je répète. Ces bourgeons les plus hauts fabriquent une hormone qui s'appelle l'auxine. Les apex fabriquent l'auxine. Cette auxine est une hormone de régulation des axes secondaires, c'est-à-dire que ça va limiter la croissance des axes secondaires. Donc quand le sarment va pousser, il va continuer à pousser en longueur et empêcher les bourgeons secondaires de se développer. D'accord ? Donc cette auxine-là est une hormone de régulation des axes secondaires et c'est également en même temps une hormone de croissance des axes racinaires en développement et en prospection. Donc l'auxine va aussi stimuler la recherche d'éléments minéraux dans le sol en quelque part. De l'autre côté, on a une autre hormone fabriquée par ces organes racinaires en croissance. Cette hormone-là, c'est la cytokinine. Cette cytokinine est une hormone de régulation des axes secondaires, racinaires, c'est-à-dire en quelque part, elle dit, et là on a déjà prospecté, allons prospecter un peu plus loin, moi c'est comme ça que je l'interprète, mais c'est aussi une hormone de croissance des bourgeons apicaux. C'est ce qui va stimuler la croissance des bois les plus longs et les plus dynamiques. En quelque part, c'est une circulation d'informations entre les deux. Voilà. Donc, on est en fin d'année et on a un équilibre entre les racines et le haut. Hein. Et puis, donc, si on compte le nombre de bourgeons, je ne sais pas, moi, si on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 sarments, hein, on avait laissé 7 sarments, on a à peu près 30 bourgeons par sarment, 3 x 7, 21, 210 bourgeons francs. D'accord, vous êtes d'accord, hein, 210 bourgeons francs. On a un potentiel de 210 bourgeons francs. Et d'un coup, en taillant, on va passer de 210 au même chiffre que l'année dernière, 7 bourgeons francs. D'accord ? Puisqu'on va tailler et on va se retrouver avec notre nouvelle baguette, avec nos bourgeons sur notre baguette, et nos bourgeons sont notre courson. On se retrouve avec 7 bourgeons francs. La question, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi pas mal de bourgeons en place ici qui n'ont pas démarré, hein, que sont des bourgeons proventifs des années d'avant. Donc là, on a créé un déséquilibre hyper fort entre le système racinaire que l'on n'a pas taillé et la partie aérienne que l'on a réduit très fortement en nombre de bourgeons. Ça va créer la sortie
et c'est ça le principe, homogène de nos 7 bourgeons, mais également la sortie, puisqu'on est dans un déséquilibre très important, de toutes sortes d'autres bourgeons que l'on va appeler les pampres et les contre-bourgeons. D'accord ? Ça va créer cette sortie-là de manière qui nous paraît anarchique, mais qui est en fait un état transitoire entre le déséquilibre que l'on a créé et le nouvel équilibre qui est en train de se mettre en place. Donc la plante est en train de se rééquilibrer et c'est pour ça qu'on a des pampres. Je suis en train de vous dire que les pamprages, on pourrait peut-être le penser en ayant cette réflexion-là, en se disant que c'est un état transitoire vers un nouvel équilibre. Je pense qu'on souffrirait moins si on l'interprétait de cette manière-là, en se disant qu'il est nécessaire et il est normal que la plante fasse des pampres. Et il est nécessaire que la plante fasse des pampres. Si j'enlève ces pampres-là, je me retrouve avec énormément d'énergie distribuée en 7 bourgeons. Si j'ai trop d'énergie sur un sarment, quel est le risque ? La coulure. Vous voyez, on va dans ce sens-là. Je ne dis pas que ça va le faire à chaque fois. Je dis que l'opposé de ça, c'est la coulure. Donc, en quelque part, c'est normal qu'on ait ces pampres-là et c'est normal que ces pampres-là s'expriment pendant un moment avant que l'équilibre de nouveau puisse se remettre en place. Je dis ça parce qu'une fois qu'on a sélectionné nos pampres, enlevé tous ceux qu'il y avait en trop et qu'on se retrouve au bout d'un moment avec juste ce qu'il nous faut, bon, ça repampre un petit peu si on a des plantes dynamiques, mais pas forcément si on n'a pas des plantes très dynamiques. Et puis, les sarments retrouvent une dynamique suffisante et refabrique suffisamment d'auxine pour équilibrer entre l'énergie, entre les racines et la partie aérienne. Et au bout d'un moment, ça s'arrête de pamprer. Ça s'arrête de pamprer quand de nouveau on a un équilibre entre ce que sont capables de fournir les racines et ce que sont capables de digérer les feuilles en quelque part et de fabriquer de la sève élaborée. Donc ça, c'est un outil qui est intéressant parce qu'il a plusieurs, portées, cet outil-là. Forcément, quand je rogne, je fais quoi ? J'enlève tous les apex. Et donc du coup, de nouveau, stimulation de la cytokinine qui fait sortir les entrecœurs. D'accord ? Ça nous permet de comprendre pourquoi ils sortent les entrecœurs. Et pourquoi sur certaines vignes, ça sort beaucoup et sur d'autres vignes, ça sort peu. Donc, une vigne qui pampre beaucoup, c'est une vigne qui a un potentiel énergétique important. D'accord ? Ça, c'est intéressant hein, parce qu'en fait, on va pouvoir se dire qu'une vigne qui pampre trop, la plupart du temps, c'est qu'elle a une vigueur très importante. Ou alors, deux choses. Elle peut avoir une vigueur très importante, et ça, vous le voyez, parce que vous avez des sarments très importants, vous avez des entrecœurs qui poussent beaucoup sur les sarments, vous avez un allongement qui est très important, des bois qui sont très gros, mais vous avez aussi des vignes qui pampent beaucoup et qui ont des sarments pas très beaux, mais qui pampent beaucoup à la base. Vous pouvez avoir ça. Et là, ça veut dire que vous avez un problème de circulation de la sève. Vous pouvez en être sûr, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'énergie en bas et elle n'arrive pas à aller jusqu'à vos sarments. Elle est bloquée à un endroit. Si elle est bloquée ici et ici, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, du coup, elle va forcer et stimuler la sortie de pampres ici et ici, partout aux endroits où il y a des bourgeons proventifs. D'accord ? Donc, c'est un indicateur. C'est intéressant et vous allez voir qu'on va pouvoir l'utiliser et qu'on le ressortira, ce petit schéma, d'autres fois. Parce qu'en fait, il nous permet d'avoir une vision un peu moins fataliste de la manière dont les sarments sortent sur la plante. C'est pas un hasard, c'est une réaction à certains problèmes.